5年だった。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。Et us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte sur Shinjiki no Kyujin, ou l'attaque des titans, c'est comme vous voulez, donc dans la version japonaise. Donc j'espère que ça vous fera plaisir, moi j'attendais ce jeu énormément, c'est pour ça que j'ai craqué pour la version japonaise. Donc je vais essayer de vous faire une découverte sans trop de spoil les amis. Pour que quand le jeu sans doute dans une sortie française, vous pourriez le découvrir par vous-même tranquillement. Là c'est surtout pour vous donner un aperçu un peu du gameplay. Et franchement, ils ont super bien retranscrit, hop, un bras en moins, les sensations et tout. Ils ont vraiment super bien retranscrit l'animé, c'est très fluide. J'avais peur que ce soit compliqué, finalement non. Donc là, c'est la première, on va dire, j'ai passé juste le tuto, moi, on va dire. Donc le tuto qui est très fidèle à l'animé. Et là, c'est la première attaque de Titan. Donc si vous connaissez un petit peu la série animée, je pense que vous savez un peu situer où est-ce qu'on en est au niveau du scénario. Donc on est vraiment au début du jeu. Et voilà, du coup, je voulais découvrir un peu vraiment les combats face aux Titans en même temps que la vidéo découverte. Je trouve ça plutôt sympa. Donc là, je suis dans la merde, donc il va falloir que je fuis, visiblement. Donc je comprends pas un broc de japonais, donc je fais un peu au feeling. Ok. Voilà, on a une potion avec la flèche du haut, d'accord. Alors, comme dans l'anime, bien sûr, quand vous êtes au sol, vous êtes vulnérable. Donc il y a moyen de... Hop, je vais essayer de le shooter directement. Hop. Alors, quand vous êtes au sol, vous êtes super vulnérable. Bien sûr, vous pouvez vous grappe un peu partout. Là, le but est d'essayer... Voilà, je vais lui couper un bras. Je vais lui couper les jambes. Hop, comme ça, il se retrouve à terre. Il se retrouve en PLS et du coup je peux lui couper la nuque, puisque le but pour le seul moyen de tuer un titan, parce que sinon il se régénère, c'est de leur couper la nuque. Et on peut pas toujours accéder directement à leur nuque donc des fois il faut couper les jambes et tout. Donc, je trouve ça pas mal. Donc, c'est très très kiffant en termes de gameplay. Oula. Là je fuis. Donc là j'ai des alliés visiblement. Alors il faut appuyer sur R1 en fait pour donc cibler un adversaire. Et ensuite avec les analogues vous pouvez déplacer le curseur donc sur les jambes, les bras, tout ça. Et donc découper. Alors le but du jeu si vous voulez couper la nuque, c'est d'essayer de tourner autour et de pas vous faire choper. Donc dans l'intro ils vous font faire des petits exercices comme ça en entraînement, vous verrez, c'est plutôt sympa et
je trouve qu'on prend vite la main sur le gameplay. Donc là par contre il m'explique des trucs avec mes alliés visiblement, des alliés qui peuvent donner des trucs j'ai l'impression. Puisqu'il y a une gestion aussi, bah, comme dans l'animé, hein, ils ont des bonbonnes de gaz qui leur permettent... Oh, on va essayer de se le faire d'un coup. Yeah! Ils ont des bonbonnes de gaz qui permettent bah, de se mouvoir comme ça un peu partout. Sinon, vous voyez en bas à gauche, on a une petite, on a des petites réserves, tout ça. Donc il faut essayer, pareil, les lames, elles se brisent, il faut les changer. Ils ont vraiment respecté l'œuvre, hein, je trouve, là. Hein. Et ce n'est que le début, les amis, c'est ça qui me fait poiler. Donc là, on va essayer de le couper direct. Oh là là, puis alors, moi, ce que j'avais peur, c'est qu'il soit censuré. Pas du tout, il y a du jus. Il y a du jus, donc c'est vraiment cool. Alors par contre j'ai pas trop compris le truc avec les alliés, c'est flèche du bas, ok, qu'est-ce que je peux faire? Ah, il y a une cinématique. Donc je vais essayer de faire la vidéo sans trop de spoil, forcément il y en aura un peu hein, en termes de cinématique et tout. Oh, les dessins, les cinématiques et tout, vraiment magnifiques. Et vous verrez, les musiques, j'ai été assez surpris dès le début du jeu, sont assez fidèles à ce qu'on connaît. Ok, alors là on a une sorte de combat de boss, j'ai l'impression. Contre le titan colossal. On est tout petit quoi à côté. Donc ok, alors là c'est un truc animé. Ah ouais, du coup il me repousse avec la... sa fumée quoi. La vapeur. Ah, avec les canons, d'accord. On va aller chercher ça. Donc on peut utiliser des objets visiblement. Il faut lui viser la tête. Je suppose qu'on tire. Non, ça c'est pour lâcher. Avec triangle alors. Ouais, on tire avec triangle. C'est assez spécial hein, par contre là. Évidemment, il va me taper. Ok, il faut que je tape son bras. Ouais, sinon c'était... Je tape son autre main. Ça va qu'il est assez lent, quoi. Il lui fait pas beaucoup de dégâts, hein, vraiment. Ok, l'autre main. Elle est plus proche, là. Hein. Bah, les deux mains. Mince, je l'avais pas vu, celle-là. Hop. Un peu le délire là. Ah, par contre, faut se dépêcher, il a une régène de vie du coup. Là, par contre, je suis obligé d'attendre à chaque fois. C'est assez simpliste en fait. Il refait un peu toujours la même chose. J'ai l'impression que dans les yeux il a plus de dégâts, non? 298, je sais pas si c'est pareil partout. 300. Ah, dommage, je voulais lui mettre dans la bouche.
Voilà, bim. Ça lui a fait du bien. Il a reculé.前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ。俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。 Donc on a fini notre quête. Donc les missions en fait elles se finissent avec des rangs, il y a des notes, tout ça, on gagne de l'expérience. J'ai vu aussi que notre personnage avait un niveau, vous allez voir, oh là là je suis passé niveau 3. Donc je sais pas trop ce qu'on pourra faire avec, avec ces niveaux, tout ça. Il y a un système de médailles aussi. Donc faut voir. En tout cas ça nous fait des crédits qui nous permettent d'acheter de l'équipement. Ça c'est ce que j'ai pu voir dans les petits magasins qu'on a, parce qu'on a un campement en fait, donc c'est plutôt cool. Donc je sais pas si du coup on va retourner au campement entre chaque mission ou si ça s'enchaîne. Puisque tout à l'heure quand j'ai fini en fait le didacticiel, je me suis retrouvé au camp et là je pouvais choisir continuer les quêtes ou pas. Du moins c'est ce que j'avais compris. Bon là on est sur le mur du coup. Mur rosa. Graphiquement hein, le jeu moi je le trouve vraiment super beau. Là quand on est sur le mur franchement ça rend vraiment bien. Non, je suis agréablement surpris du jeu. Pour une première impression je suis vraiment très agréablement surpris parce que je vais pas vous mentir. Le studio qui s'est occupé du jeu c'est celui qui s'occupe aussi de Arslan. Et franchement Arslan j'ai pas du tout aimé, vraiment pas. Et j'avais vraiment peur du coup quand j'ai vu que c'est eux qui allaient s'occuper de Shinjiki, de Kyujin, enfin l'attaque des titans. Et finalement non, mes premières impressions sont vraiment bonnes. Après j'attends de voir sur la durée mais je suis vraiment ravi. En même temps ils avaient pas intérêt à se louper mais ils sont plutôt bien réussis. Donc je trouve ça plutôt cool. Donc on peut parler aux différents PNJ. Bon là, faute que c'est la version japonaise, du coup on comprend pas trop ce qu'ils disent. On imagine un petit peu. C'est d'ailleurs pour ça, hein, y a beaucoup qui me demandaient si je ferais un let's play, si je ferais toute l'aventure. En rediffusé sur la chaîne, ce sera pas le cas. Je préfère pour un let's play, pour vraiment partager l'histoire et l'aventure, attendre la version française du jeu. Nul doute qu'il y en aura une. Il y a des rumeurs comme quoi ce serait pour le mois de juillet, donc je l'espère bien. Je pense que ça traînera pas trop de toute façon. Mais voilà, je préfère le faire en VF. Mais par contre, je vous partagerai peut-être... pas mal de petites choses sur des aperçus du jeu, sur les combats en titan, les combats de boss, tout ça. Je pense que voilà, je vous montrerai un petit peu tout ça. Et de toute façon, on se retrouvera en live pour ceux que ça intéresse vendredi sur Twitch. Voilà, où je partagerai par contre l'aventure sur Twitch. Voilà, ce sera interactif, du coup, ce sera sympa. Alors, les vendeurs, c'est eux. Alors. Là, j'avoue, j'ai pas compris ce que c'était. Ça ressemble à des matériaux, donc je pense qu'il y a du craft. Alors, il y a un onglet acheter, et ça doit être l'onglet vendre. Et il y a plusieurs options. Alors là, malheureusement, je sais pas trop ce que c'est, à quoi ça correspond. Par exemple, on a ça, là, on dirait un tube de bambou, je peux en acheter. Tout à l'heure, j'ai acheté de ça, mais je sais vraiment pas à quoi ça sert, en fait. Ça a l'air d'être des composants. Donc, il doit y avoir un système de craft. J'ai pas ouvert les menus, faut fouiner un peu. Alors ça, c'est mes statistiques, ok. Donc on a des statistiques de lame, tout ça. Ensuite, ça c'est quoi? Ça doit être mon inventaire. Donc voilà l'inventaire. On a un cheval aussi, visiblement.
Donc là, j'ai acheté une lame, vous voyez, parce que là, de base, j'avais celle-ci et j'ai acheté celle-là. On peut changer nos réserves de gaz aussi, notre équipement de propulsion. Donc, il y a vraiment pas mal de petites choses assez intéressantes. Et ça, c'est quoi? Ok, ça nous amène directement au cheval. Ouais. On a deux fois l'onglet qui est pareil, je sais pas trop à quoi ça correspond. Ensuite, ça, c'est quoi? Bah, ça doit être des notifications. Peut-être sur l'environnement, sur les personnages, je pense. Ça, c'est le gros souci hein, quand on est sur des versions japonaises ou quoi. Ok, alors là, je sais pas ce que c'est, mais on s'en fout. Bon, on va sortir de tout ça. Et du coup, elle, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, voilà. C'est elle qui vend le matos. Donc moi, j'avais acheté une lame. On va voir si on peut acheter, du coup, une réserve de gaz. Alors, elles ont des statistiques, hein, ces réserves. On peut imaginer parce qu'elles rangent les lames. Donc, moi, je pense que il doit y avoir moyen. Par exemple, celle-là, je pense, genre, vous avez plus de gaz, mais vous pouvez mettre peut-être moins de lames. Et celle-là, le contraire. Là, 4 lames, j'ai l'impression. Par contre, on doit perdre en endurance. Le 60, ça doit être l'endurance, je suppose. Quoi qu'il arrive, elles nous font toutes perdre quelque chose. Hein. À part celle-là qui nous fait que gagner, donc... Elle ressemble à la note, mais avec plus 20 sur la première stat. Bah écoutez, on va acheter celle-là. Elle m'intéresse bien. Hop, voilà. Ça doit être pour équiper tout de suite. Voilà, c'est ça. Et le truc de propulsion, est-ce que je peux en acheter un? Donc là, 20, 30, 20, 30, 20, 10, 50, 10, et 10, 80. Ah, celui-là, il me plaît bien, là, avec la grosse bonbonne, là. On verra si ça fait une nette différence. Allez, on prend celle-là. Et voilà. Et du coup, je me demande si ça change en direct. Ah oui, regardez, le personnage derrière lui s'est changé. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, les points d'exclamation rouge, c'est pour continuer l'aventure. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble, les amis. Donc ça, c'est pour refuser, ça, c'est pour accepter. Je ne sais pas s'il y aura des objectifs secondaires, ce genre de choses ou quoi. Pour le moment, ça a l'air d'être un mode, voilà, histoire... où on suit l'histoire. Dans le menu du jeu, il y a plusieurs modes de jeu. Notamment, il y a un mode multijoueur qui est annoncé, puisque même derrière la jaquette du jeu, on vous demande le PSN+, etc. Donc, il y a un mode multijoueur d'annoncer de façon sur le jeu, qui n'est pas encore débloqué. J'attends de voir ce que ça peut être. Est-ce que ça va être des histoires exclusives, ou alors faire toute l'aventure en coop. Ça peut être sympa, remarque. Ça peut être plutôt pas mal en coop. Donc là, on va devoir reprendre la porte. Normalement, je pense. Akaman, omae wa kouei butai ni haire. Jumin, matte kudasai. Watashi no ude de wa ashi de matoi ni narimasu. Oi, Mikasa, jinrui metsubou no kiki da zo. Nani temei no katte na tsugou o oshitsukete nda. Warukatta. Demo Eren, tanomi ga aru. Hitotsu dake. To shinanai san. こんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を何も知らない。Là, vous êtes vraiment aussi content au niveau de l'aspect esthétique, c'est le regard d'Eren, même le regard des personnages qui est très fidèle à l'anime. Dans l'anime, c'est ce que j'aimais beaucoup, c'était le regard des personnages. この偉人で活躍しとけば、俺たちは新兵にして、スピード昇格間違いなしだ。ああ、間違いない。言っとくけど、今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね。誰が巨人を多く狩れるか、勝負だ。数をちょろまかすなよ。34班前進、前衛の支援につけ。よし、行くぞ。Allez, c'est parti pour nettoyer du titan. Alors franchement, les déplacements, mais alors, sont juste kiffants. Donc vous avez le boost avec X, et tant que vous faites du carré, vous vous accrochez un petit peu partout.
Et quand vous avez une cible pas loin, donc comme là derrière. Hop. Donc c'est un petit coup de main à prendre, mais c'est assez plaisant. Donc là, il nous explique quelque chose, visiblement. On va peut-être recruter. Ok, on peut recruter des alliés. Ok, donc là, j'ai recruté Armin. On va prendre un autre. Donc ça, c'est plutôt cool, alors. Et ils ont des classes, d'accord. Rang C. Ah, c'est pas mal, là. Hein. Donc il y a un fumigène qui a été tiré là-bas. Le fumigène, c'est que, visiblement, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Allez, on y va, alors. Donc quand on n'a rien pour s'accrocher, hop, on fait le X pour booster. Ça coule. Par contre, ouais, faut éviter de faire ce que je viens de faire. Hop, on l'a tué. Visiblement, c'est Armin même qui l'a eu. Donc là, il faut relever notre pote. Il se trouve derrière. Enfin. Oula. Hop. Alors j'ai l'impression aussi il y a un système de perfect quand on est Ah lui c'est pour régène. On va la régène, il va nous donner des munitions. Et oui j'ai l'impression qu'il y a un système de perfect en fait quand vous tuez du titan. Parce que les animes sont pas les mêmes. Là genre je crois que j'ai tué pas tout à fait comme il fallait. Hop. Il y a un gros point d'exclamation là-bas. Fumigène rouge. Rouge, ça sent pas bon. Hein. Ouh. Ah oui, comment ils s'appellent déjà ces titans-là? Je me rappelle plus. C'est ceux qui font n'importe quoi, là, qui courent partout. Je sais plus comment ils les appellent. Les titans de base, ils sont plutôt lents. C'est très très plaisant en termes de gameplay, je pourrais pas vous expliquer le kiff que c'est. Je sais pas vraiment si sur la capture ça rendra aussi bien, mais manette en main c'est très très jubilatoire en fait. C'est vraiment ouais, je prends vraiment mon pied là à sauter partout en fait. Et puis c'est bien foutu parce que le personnage en fait il s'accroche. Hop, on lui a coupé un bras. Allez, on va lui faire les jambes. Ah, il y a un petit logo, tiens, on va voir ce que c'est. Ça veut dire que je peux pas lui couper les jambes. Ouh, il m'a touché. Est-ce que ça veut dire que je peux pas lui couper ses jambes? Ah si. Ah non, c'est que j'ai eu une ressource en lui coupant les jambes, peut-être. Ah, là on l'a. Et là, vous voyez, on a dû lui faire un perfect, on a l'anime et tout. Super, hein. Un régal. Ah par contre j'ai pas trop compris où était notre vie, par contre là je vois qu'on a plus trop de carburant donc on va recharger. Fumigène verte, il y a un logo au milieu pour nous dire qu'il y a moyen de récupérer de la vie là-bas, on va aller faire ça. Je sais pas si nos alliés peuvent crever du coup. Attends, hop, oh, les mouvements et tout, j'aime beaucoup. Normalement, il y avait un logo qui était par là. Ok, il est à terre. Ah, c'est un allié à sauver, peut-être. Ah non, c'est juste on récupère des munitions sur lui, d'accord. Allez, on est reparti. On va aller buter du titan. Et vous voyez, ça, le petit logo qui s'affiche, c'est quand il n'y a rien pour s'accrocher, en fait. Hop! Pas fait de cadeau à lui. Hein. On a sauvé encore un compagnon, visiblement. Ah, je l'ai pas tué. Voilà, tac! Dégage. Par contre, le sang il finit par s'effacer au fur et à mesure. C'est dommage. Ah,
Putain, il y a beaucoup de titans ici. Oula. La caméra était pas terrible. Jusqu'à maintenant, je trouve que la caméra, ça va, elle est pas trop chiante. Parce que le problème dans ce genre de jeu, là, monde ouvert, où on saute partout et tout, ou même, alors c'est pas un musou, là, mais presque. Moi, souvent, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a des gros soucis de caméra. Et je trouve que là, la caméra est pas mal, puisque quand on est derrière un bâtiment et tout, la plupart du temps, elle devient visible. Donc c'est pas mal. Donc encore plein de fumigènes. C'est une camarade qui est en danger là-bas. Hop, on va lui couper le bras. Bim. Hop, le deuxième. Tant qu'à faire, on va lui faire les jambes. Je trouve ça excellent. Ah, il est tombé complètement à terre du coup. Ah, du coup, c'est pas moi qui l'ai eu, mais Armin l'a fini, génial. Ok, on a des points d'exclamation rouges là-bas. C'est que ça part en cacahuète. Faut que je fasse gaffe, j'ai mes lames qui vont péter, par contre, j'avais pas vu. Oh merde, il est passé. Putain, c'est vraiment super bien fait, hein. Ils ont vraiment, niveau gameplay, là, ils ont vraiment envoyé du steak. Parce que vous voyez, mais... Ouah, là je suis dans la merde. Mais mes câbles ils sont cassés parce qu'il est passé devant un autre titan. Du coup non, c'est vraiment bien foutu, hein. Par contre là on est tous dans la merde. Hop, voilà le géant là qui nous fera plus chier. Hop, celui-là est pour moi. Eh ben, c'était la folie là. Hein. Alors, par contre, j'ai pété mes lames, waouh, trop bien. Donc, je vais les changer. Super bien. Alors, je pense qu'il y a moyen, même si vous connaissez pas l'animé, eh ben, de vous taper un pur délire hein, sur ce truc. Hein. Parce que, franchement, c'est assez excellent comme gameplay et ça change quoi. C'est. C'est vrai, franchement, on trouve pas ça ailleurs. C'est vraiment cool. Oula, un camarade qui s'est fait tuer. Il y a un titan là-bas, là, j'ai vu. Waouh. Il brûle. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils vont nous expliquer ? R2. On nous parle de R2 là. Ok, j'ai tiré une grenade. Je sais pas du tout ce que ça fait. J'ai l'impression d'être dans un mode ulti là. Faut pas s'approcher de lui, hein, visiblement. Hop! Il coupe tous ses bras et tout. C'est assez excellent. Là, bim. Ça y est, on l'a eu. C'est une sorte de petit boss, j'ai l'impression, lui. Hein. Alors, je sais pas trop ce que c'est, ce mode. Là, on était comme dans un mode ultime. De toute façon, on me déplacer encore plus vite qu'avant. とにかく急ごう。精鋭部隊は総崩れじゃないか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。聞こえた。
何しやがる！待ってくれ！よくも友達を！教えてくれたから、俺は外の世界へ。